Alors, la première présentation sera la présentation de l'expérience qu'on a faite à l'EPFL. Elle va être menée par moi-même qui vais commencer par une introduction. Ensuite, il y a Pierre Dillambourg qui est le directeur académique du Centre d'éducation à l'ère numérique, digitale, qui est en fait l'unité à l'EPFL qui crée les MOOC. Et donc, il vous parlera de ça. Et puis ensuite, Ciara vous parlera de comment bien enseigner. Ciara est canadienne. Je vous le dis pour l'accent, pas que ça vous perturbe. Et puis, elle est conseillère pédagogique ici à l'EPFL, donc soutien aux enseignants. Et elle a déjà pas mal participé à des conférences ou à des groupes de travail en lien avec les bibliothèques. À l'EPFL, pour la bibliothèque, on a eu juste un changement qui s'est fait en 2013. Et jusque-là, on avait un grand nombre d'outils, mais en fait, c'était surtout notre imagination qui nous permettait d'essayer de faire passer des messages. Pour ceux qui font des formations en bibliothèque et qui essayent de faire passer les messages auprès des étudiants, ils savent à quel point c'est compliqué d'intéresser les étudiants à soit la recherche documentaire, soit à tout ce qui va avec. Donc, il y avait plusieurs choses. Je vais passer en revue un peu rapidement ce qu'on avait à disposition avant. Et puis, mes deux co-speakers vont vous présenter des outils et je vous parlerai à la fin de tout ce que ça a pu changer pour nous en termes de dimension et en termes d'interaction. Donc, il y avait évidemment tableau noir, flipchart et ce genre de choses. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un outil pédagogique, mais nous, on s'en servait pas mal. Donc, il y a eu celui-là. Deuxième point, on a toujours cherché à discuter avec les étudiants, histoire de partir de leur pratique. C'est pour la caméra, pardon. Donc je fais du playback de moi-même. Donc l'idée était de partir des pratiques des étudiants. Donc on partait toujours sur une discussion ouverte. On leur disait, bon alors, vous avez ce problème-là, le prof vous fait faire un projet sur ce sujet-là, comment est-ce que vous commencez votre projet? Et on discutait. Et ça prenait du temps, et l'interaction dans cette partie-là était vraiment difficile. Mais par contre, ça met un certain nombre d'avantages, pas de problèmes techniques, parce qu'il suffisait de discuter. On reviendra sur les problèmes techniques après. Par contre, alors l'interaction, c'était vraiment la difficulté qu'on avait. Quand vous avez une classe de 70 ou 80 étudiants bachelor, ça fait que vous en avez 3 qui parlent et 70 qui se taisent. On a essayé les exercices sur ordinateur. Alors là, les problèmes techniques apparaissaient. L'idéal étant qu'ils viennent avec leur propre ordinateur. Mais du coup, ça veut dire que vous avez des gens qui sont sur Windows, Mac. Si vous avez de la chance, vous avez des étudiants qui ont Linux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'habitude d'utiliser ça. Quand vous devez répondre à une question, un problème technique, quelque chose qui ne fonctionne pas sur un environnement que vous n'utilisez jamais, ça complique un petit peu. D'un autre côté, si vous avez une salle informatique et puis que tout le monde a le même environnement, ils n'ont pas leur propre environnement et donc ils ne repartent pas avec ce qu'ils ont fait pendant le cours. Donc, c'est un intérêt limité. Mais par contre, le problème principal, c'est que du coup, il faut avoir un accès au réseau, il faut qu'il y ait des prises pour brancher les ordinateurs, et ça pose toujours un problème à un moment ou à un autre. C'est ce que j'ai mis sous équipement nécessaire dans inconvénients. De plus, derrière un écran, les étudiants, ils n'interagissent plus du tout avec la personne qui parle devant. Donc, de nouveaux problèmes d'interaction. Et puis finalement, on a essayé de faire ça sous forme de jeu. Alors, ça fonctionne assez bien. On a surtout utilisé ça avec les nouveaux étudiants, dans ce qui est moins des formations que plutôt des accueils, où on les fait courir dans la bibliothèque, aller chercher des indices. Ça fonctionne très très bien, et là, alors, il n'y a pas de limite de nombre, donc c'est très pratique. Par contre, pas sûr qu'ils retiennent vraiment quelque chose après, ils se sont surtout amusés, mais on va dire que c'est une première approche. Et puis, d'un point de vue logistique, c'est beaucoup beaucoup de travail. Pour genre 15-20 minutes de jeu. Voilà, donc ça c'était la situation jusqu'en 2012, et puis on a eu droit à des outils supplémentaires grâce à mes collègues qui vont parler maintenant et qui vont vous présenter la suite. Pierre. Merci, donc je suis professeur de technologie de formation à l'EPFL, professeur à la faculté informatique, et on va vous présenter des technologies.
D'abord les MOOCs, ensuite les clickers. Je vais apparaître un peu comme un gadget man. Dans mon labo, on fait beaucoup de gadgets. Ce n'est pas les plus marrants que je vais vous présenter aujourd'hui, mais ça, il faudra payer plus cher. Mais à la base, je suis instituteur primaire. Voilà. Ce qui compte, c'est la beauté, c'est que les gamins apprennent, c'est la beauté d'une leçon. Ce n'est pas ces technologies, mais il ne faut pas avoir un peu peur de prendre des risques, de rentrer dans ces technologies. Elles ne marchent pas toutes, ce n'est pas génial, il n'y a pas de miracle. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, on veut en parler en quelques minutes. Juste une chose, je ne connais rien à la bibliothèque. Ce n'est pas mon monde. Hein. C'est de l'autre côté, il y a deux grillages qui nous séparent des bibliothécaires à l'EPFL. Donc voilà, moi je vous parle de ce que je connais par rapport à l'EPFL, mais je ne connais pas le monde des bibliothèques. Je vais juste vous parler, voilà, les MOOC, c'est une histoire un peu marrante qui a apparu il y a 2 ans. Des technologies, la formation online, ça existe depuis 20 ans. Moi j'ai enseigné 10 ans online à Genève, 1993-2003, ce n'est pas nouveau. Et tout d'un coup, il y a 2 ans, il y a quelque chose de bizarre, une espèce d'explosion. Est-ce que c'est uniquement du blabla ou est-ce qu'il y a des choses vraies derrière? C'est ce qu'on va voir. Donc un MOOC, c'est quoi? C'est une séquence de leçons. Hein. Chaque semaine, vous avez 6-7 vidéos. Voilà, vous voyez le professeur qui parle pendant 2-3 minutes. On le met devant une bibliothèque quand même pour avoir l'air quand même un peu, pas trop complètement geek. Voilà, il y a 2-3 éléments que nos étudiants aiment bien. Vous voyez, là, une petite ligne jaune. En général, on voit le professeur 1 minute et puis il disparaît. Il dit, voilà, le but de ma leçon, c'est. Et puis il disparaît, il écrit sur un tablette PC. On voit qu'il écrit des slides plus ou moins vides. Donc le professeur réapparaît de temps en temps. Sa présence visuelle n'a pas beaucoup d'effet sur les gains d'apprentissage, mais quand on l'enlève, les étudiants râlent. Donc on le montre un petit peu de temps en temps. Vous avez quelque chose d'assez amusant ici. Les étudiants peuvent changer la vitesse. Voilà. Abrège, mon gars, on a compris. Voilà. Ils aiment beaucoup ça. Il y en a un qui m'a dit, je joue toujours à 1,75. Et il me dit, c'est la seule façon de me concentrer, c'est que le prof, il y va, plutôt qu'avoir un prof qui dit, aujourd'hui, nous allons... Ben, voilà, on abrège. C'est des petits détails, c'est pas très important. Vous voyez la petite ligne jaune sur la barre de défilement? C'est une question. La vidéo se pose, s'arrête à un moment donné et il y a une question qui apparaît, l'étudiant répond. Voilà. Ce n'est pas vraiment là qu'on apprend, c'est juste pour rendre la vidéo un peu moins soporifique. On ne parle pas de vidéo de 50 minutes, on parle de vidéo de 10 à 15 minutes. Hein. Une leçon de 2 heures est décomposée en 5-6 vidéos de 10-15 minutes. Voilà. Et puis il y a des forums, comme toujours, qui sont assez bien foutus. Premier MOOC de l'EPFL, on a eu 50 000 inscrits. Le premier matin, le professeur Odersky a reçu 700 questions. Vous arrivez à l'EPFL, il vient toujours en vélo, vous ouvrez votre ordinateur, 700 questions. La vie est moche. Mais en fait, non, ça marche bien, ça marche assez bien, parce que si on a une question et que quelqu'un d'autre l'a déjà posée, on peut cliquer pour la faire remonter. Il y a des filtres où les assistants peuvent sélectionner quelle question devrait être répondue. Donc pour finir, on arrive à gérer, avec une petite équipe, à gérer ce flux-là. Maintenant, la première question pour vous. Alors, voici la question. Après, ne cliquez pas encore sur vos machines. Je vais d'abord vous expliquer la question, et puis Ciara vous expliquera peut-être comment répondre. Voilà. On a vu que donc dans un MOOC, il y a des vidéos, des quiz, des forums. Rien de nouveau. Et puis, il y a des travaux à rendre. Rien de nouveau. C'est ça qui est bizarre. Sauf une chose. Si vous avez 10 000 étudiants et qui vous rendent leurs travaux chaque semaine, vous avez donc 10 000 travaux à corriger chaque semaine. Si c'est un quiz, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut corriger d'autre? Est-ce qu'on est limité au quiz ou est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Alors, voilà la première question que je vais vous poser. Et pour ça, Ciara, comment doivent-ils procéder? Alors, OK, donc voilà ma question.
À votre avis, quel genre de travaux on peut corriger? Seulement des quiz, comme j'ai dit, ou bien aussi des réponses numériques en maths, ou bien on peut même corriger un bout de programme que les étudiants seraient capables, pourraient taper sur leur ordinateur, ou bien est-ce qu'on peut corriger un essai de philosophie, un poème? Est-ce qu'on peut corriger automatiquement 10 000 poèmes qu'on reçoit chaque semaine ou des dessins? C'est un MOOC sur la créativité. Je vous demande à mes 10 000 étudiants, faites-moi un joli dessin, un mouton, et voilà, je reçois 10 000 moutons. Alors, à votre avis, jusqu'où donc c'est 1 ou 1 plus 2 ou 1 plus 3? Vous répondez 1, 2 ou 3. 3 si vous pensez qu'on peut faire 1, 2 et 3. Jusqu'où peut-on aller dans la richesse? Bon, Ciara, la question n'est pas terrible, hein, je m'excuse. C'était fait hier soir, last minute. Jusqu'où pensez-vous qu'on peut aller dans la complexité? Alors j'ai déjà 21, 23, 25, 20, 30 personnes qui ont répondu. Comme ça, en plus, on peut compter le nombre de participants. On est à 51. Alors, on va voir vos réponses. Alors, 4% pensent que c'est que les choix multiples. On peut aller un peu plus loin, effectivement. Les réponses numériques, on peut dire, voilà, toute valeur comprise entre moins 5 et plus 2, qui soit un multiple de 3, blablabla, on peut les compter, ça, effectivement. Les codes de programmation, vous allez dire, c'est pas, ça marche que pour les cours de programmation. Oui, mais on en a beaucoup. Hein, tout le monde programme tout à l'EPFL, donc pour nous, c'est une vraie chose. Dans nos grands cours, sont des cours de programmation, nos grands succès MOOCs, donc ça, c'est très important. Les textes libres et les dessins, vous n'êtes que 20% en tout à penser qu'on peut faire. Alors, qui a voté, qui pense qu'on peut corriger 10 000 textes libres online? Comment? Si vous avez... Voilà. Alors, mais c'est exactement la bonne réponse. On a un vrai problème. On a 10 000 textes à corriger. Mais n'oubliez pas qu'on a 10 000 étudiants online. Donc on a aussi une solution. Voilà. Alors comment on fait? On prend la première copie, on l'envoie au hasard à 5 étudiants. Ils ne se connaissent pas, ils sont 10 000. Okay. Et puis on leur donne une grille de correction, ils renvoient une note. On reçoit 5 notes pour le premier travail, on élimine 2 extrêmes, on prend la moyenne des 3, et ça donne une note qui, on a testé, est bien corrélée avec la note du prof. À condition que le prof ait défini des critères de correction assez précis. En analyse numérique, notre prof a dit ça, il a dit, prenez votre iPhone, vous faites la preuve sur papier, vous prenez une photo, vous uploadez. Il a donné la solution, il a demandé aux étudiants de corriger la bonne solution, de comparer la bonne solution. Donc ça marche, ça s'appelle le peer grading. On a un vrai problème, on a aussi une vraie solution, ça s'appelle le crowdsourcing. On va distribuer le problème sur 10 000 personnes. Ça marche assez bien au niveau de la qualité de la note. La qualité du feedback est moins bonne. La qualité des commentaires qu'on reçoit, si on compare avec des vrais assistants payés, on n'en a pas 10 000. Voilà. Il y a une autre méthode, alors qui va probablement vous choquer beaucoup plus. Et ça peut s'appliquer au dessin. Il y a une autre méthode, je ne sais pas, vous avez entendu parler des automatic essay grading. Vous prenez un algorithme, vous avez corrigé à la main 10 bons travaux et 10 mauvais travaux. Vous nourrissez l'algorithme avec les 10 mauvais et les 10 bons. Et vous lui demandez, après, le 22e essai que vous lui donnez, vous lui dites, est-ce qu'il ressemble plus au bon ou plus au mauvais? Et je suis désolé de dire... J'ai honte de dire que ça marche. Voilà. Ça marche. Alors, c'est un peu comme les pilotes automatiques dans l'avion. Un avion peut voler sans pilote. Pourtant, on aime quand même bien qu'il y ait un pilote. Moi, même si ça marche, j'y croirais pas. Je veux te dire qu'on obtient un diplôme à l'EPFL en faisant ça. Mais ça marche relativement bien. Il faut dire qu'un prof, de toute façon, qui doit corriger 300 copies, c'est un ordinateur, ce prof. Hein, il n'a plus. Voilà. OK. Alors, voici la situation EPFL après un an et demi. Ça, c'était il y a 2 mois. Maintenant, on doit être proche de 500 000. Près de 400 000 inscrits en un an pour les 18 MOOC de l'EPFL. Voilà. On a dit, il y a trop de bruit dans la presse. C'est à 400 000 inscrits, c'est quand même pas mal. Okay, on va voir que c'est des chiffres faux. On ment, comme tout le monde. Mais c'est quand même un beau mensonge. Et on va l'analyser. Nouveau, on a la moitié d'entre eux qui sont français. Le français est une langue nouvelle à l'EPFL. Ça, c'est sorti il y a 2-3 ans. Et parce qu'on a une stratégie, notamment pour l'Afrique, qui est assez particulière.
Alors, les voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil. Il y a deux grandes plateformes MOOC. On a eu la finesse d'esprit dès le départ d'appartenir aux deux. Comme ça, on n'est pas prisonnier de l'une ou de l'autre. Et en fait, on appelle MOOC, mais on a deux objets complètement différents. Les premiers, ce sont des MOOC qu'on appelle Unique Selling Point. C'est des MOOC dans lesquels on a le spécialiste mondial de quelque chose et on a effectivement 10 000, 20 000, 30 000 inscrits. Voilà. Premier MOOC, on a l'inventeur du langage Scala. Donc, les étudiants du monde entier ont envie d'entendre le gars qui a inventé ce langage informatique. On l'utilise quand même, c'est le rouge, avec nos étudiants EPFL, mais ils sont 200 sur les 20 000 inscrits. À l'inverse, en bas, vous avez les MOOC Bachelor, plutôt en français, physique première année. Alors là, on a 400 étudiants dans l'auditoire. On en a en fait 4000 à l'EPFL qui prennent le même cours donné par d'autres profs. Et on en a encore quelques milliers d'autres dans le monde qui viennent se joindre. Donc il y a aussi en bleu les externes, en rouge les internes. Mais ce n'est pas la même balance. Ce n'est pas le même équilibre. Et en particulier, là, on a une cible africaine. Si vous voulez, d'un point de vue, de votre point de vue bibliothécaire, en haut, c'est vraiment un cours complet. Avec les certificats, avec les assignments, tout ça. En bas, c'est plutôt un polycopier, un textbook. Voilà. Le prof donne son cours complètement ou en partie ou le change un peu, mais on reste plus d'un complément au cours dans la partie basse, physique première année. Le prof, il a donné tout son cours, comme ça, en plus de ce qu'il y avait dans les vidéos. Programmation première année, ils ont changé quand même la moitié du cours. Donc, voilà, ces deux modèles assez différents, on les appelle MOOC, il y a des choses très différentes. Bon, ça, c'est pas très grave. Ensuite, on a des MOOC plutôt de premier type qu'on va essayer de valoriser financièrement dans le cadre de la formation continue. Voilà, pour une petite carte européenne des gens qui ont pris nos MOOC. Vous voyez qu'on tient beaucoup en Suisse romande à essayer de sauver les Parisiens. Et voilà. Plus marrant, c'est qu'on a beaucoup d'Américains. Ça, c'est quand même une victoire extraordinaire. Parfois, on me dit, mais les MOOC, c'est la McDonaldisation de la formation européenne. On va perdre nos valeurs, on va tous bouffer de la malbouffe américaine dans notre éducation. Et là, on voit des milliers d'Américains qui viennent prendre les MOOC de l'EPFL. Donc, on est en train de rejetifier, de fonduiser les Américains. Ah, c'est quand même intéressant qu'on n'ait pas... On est un peu en retard, mais pour finir, on a pris un bon... On a aussi plus de Zurichois que de Lausannois qui suivent nos MOOC. Si vous connaissez la politique helvétique, de dire qu'on est en train de battre Zurich, c'est quand même un immense plaisir. Voilà. En Afrique, c'est très... L'Afrique saharienne prend beaucoup nos MOOC. L'Afrique subsaharienne, on a beaucoup de projets, mais ça vient doucement. Voilà. Maintenant, on a mis en place des centres relais. Ça commence à venir. Il y a un intérêt énorme de leur part. À Dakar, ils peuvent envoyer 5 gars à Paris, 5 gars à Montréal, 3 à Lausanne, mais il en reste 2000 qui sont très smart et qui n'ont pas accès à ces choses-là. Maintenant, la vérité. D'abord, j'ai menti. En fait, sur les 400 000, vous voyez qu'il y a seulement 73% qui viennent vraiment au premier cours. Et puis, ceux qui regardent les vidéos, il n'y en a plus que 60%. Patati. À la fin, on n'a plus qu'une dizaine de pourcents qui obtiennent le certificat final. Voilà. Alors, différents commentaires à ça. Ça fait quand même 40 000 étudiants. Hein? L'école polytechnique de Zurich n'en a que 20 000. Voilà. Vous avez quand même 40 000 étudiants. Même si c'est que 10%, c'est pas mal, 40 000 étudiants. Hein? Deuxièmement, les 400 000 qui nous ont donné leur email, c'est pas mal non plus. D'un point de vue marketing, on a fait de la pub à l'EPFL. 400 000 gens qui sont venus s'inscrire à un cours d'EPFL, c'est pas mal non plus. Mais la réalité, c'est plutôt celle-là. En fait, on a 3/3. Pour un MOOC, on a 3/3 de visiteurs, et ça peut peut-être vous intéresser. Le premier tiers ne vient jamais, c'est les prospects. Ils ont vu une Mercedes en vitrine, puis décident pour finir. Non, ils ont vu, c'est un cours sur les avalanches. Waouh ! Premier slide. Des équations comme ça. Bon, c'est pas pour moi. Le troisième tiers, le rouge et le vert, c'est ceux qui veulent vraiment le faire. Ils ont l'intention, mais c'est dur. C'est des MOOC aussi difficiles que tous les cours de l'EPFL. Donc, ils y passent 5 à 6 heures par semaine. Et puis, ils ont aussi des femmes, des enfants, des chiens, des choses à faire, un boulot. Donc, voilà, ils ne vont pas tous jusqu'au bout. Et puis, il y a un troisième tiers que vous connaissez peut-être mieux. C'est des gens qui ne s'intéressent pas à faire le certificat ou prendre tout un cours. Ils disent, ben Pierre, je n'ai pas abandonné. Je m'intéresse au chapitre 5 et 7. J'ai pris le cours il y a 10 ans
et je n'ai jamais eu ce chapitre-là, donc ça m'intéresse. Ou bien ils disent, moi je vais prendre tout le cours, mais alors je ne garde que les vidéos que tu fais. Je n'ai pas le temps, je suis professeur à l'EPFL, je n'ai pas le temps d'aller faire les petits exercices, moi blablabla. Donc on a une catégorie de touristes, là, les verts clairs, qui sont très contents en fait. Ce n'est pas des drop-out, ce n'est pas des gens qui abandonnent. Ils sont très contents parce qu'ils viennent, c'est l'approche Wikipédia. Ils viennent prendre dans votre MOOC ce dont ils ont besoin et puis ils s'en vont. C'est pas, ça ne remplace pas l'autre tiers qui veulent, le premier tiers, ceux qui veulent le certificat. Ils veulent un contrat avec le prof. Je passe 5 heures par semaine pendant 7 semaines et tu me garantis que j'ai appris quelque chose en thermodynamique. Hein. Donc il y a deux contrats différents dans le même produit. Un commentaire MOOC et book. Dans certains de nos MOOCs, on conduit à une vente accrue du livre EPFL Press qu'il y a. Hein. Donc on voit les MOOC comme la fin des livres. Dans certains cas, on n'a pas vu une relation. Il y avait le MOOC et le livre, on n'a pas vendu plus de livres. Dans certains cas, on a vendu plus. Alors, question suivante. Si vous avez un cours standard, 2 heures dans ce bel auditoire, 2 heures de cours, et en général, ça devient 1 heure de vidéo à peu près, 5 fois 15 minutes. Les étudiants, ils passent combien de temps pour voir cette heure de vidéo? Réponse 1, ils passent à peu près 1 heure. Réponse 2, ils passent à peu près 2 heures. Réponse 3, ils passent à peu près 3 heures. Allez-y, répondez. Voilà, 50 réponses, merci. Vous rappelez Jacques Martin, l'école des fans, où tout le monde avait 10? Eh bien, c'est comme ça. Vous avez tous raison. On a regardé 3 MOOC. Dans un des MOOC, qui était un cours bien ficelé, il donnait depuis 10 ans, tac, 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 il passait 1 heure pour voir 1 heure de vidéo. Dans le 2e MOOC, qui était un peu plus difficile, il passait en général 2 heures. Et dans le 3e, ils étaient effondrés. Ils passaient 3 heures pour voir 1 heure de vidéo. Le prof avait voulu un peu montrer ses muscles, montrer, parce que quand vous faites un MOOC, tous vos collègues du monde entier vont venir le voir. Vous voulez montrer qui vous êtes. Donc voilà, il n'y a pas de truc qui s'appelle un MOOC. Un MOOC de programmation ou un MOOC de physique, c'est des choses... Alors on utilise MOOC comme quand si on disait un livre. Est-ce que les livres sont efficaces pour l'enseignement? Il y a des livres merveilleux, il y a des livres lamentables. Hein, c'est un peu la même chose pour les MOOC. Voilà, le nombre d'heures de travail, c'était une fois dans lequel on avait... La moitié du cours était en MOOC, les 7 premières semaines et les 7 suivantes en cours normal. Et on a demandé la charge de travail. Vous voyez que grosso modo, ça ne change pas. Ils passent un peu plus de temps sur le MOOC. Mais pour finir, la charge de travail elle est définie dans le contrat Bologne. Un crédit égale 30 heures. On ne peut pas s'en écarter. Donc, mais ce n'est pas des trucs marrants. Ça a l'air un peu cool, le MOOC, machin. Non, ce n'est pas du tout marrant. Hein. 5 heures de Advanced Signal Processing par semaine, ce n'est pas marrant. C'est des cours aussi difficiles. Et c'est un peu le truc du MOOC. On a pris des cours très durs, des très grandes universités, et c'est difficile, et tout le monde va abandonner, et peut-être toi tu vas réussir. Il y a un peu de ce branding-là dans l'histoire des MOOC. Voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une des idées de base, c'est pour ces étudiants qui sont là, qu'est-ce qu'on fait en classe? Alors là, je vous ai dit, en physique première année, par exemple, le prof a donné son cours. On a vu les étudiants des autres cours, des autres profs de physique qui suivent le même cours chez un autre prof qui était moins bon, qui sont venus le voir. Ça peut arriver. Les étudiants ne sont plus prisonniers de leur professeur comme auparavant. Mais on a toutes sortes de formules. C'est assez libre. Chaque prof mookifie son cours comme il veut. Il change tout, il change un peu. C'est sa liberté. Pour ces cours-là, une surprise, c'est de se rendre compte que la majorité des participants ont déjà un bachelor ou un master. C'était un cours undergraduate et on ne le savait pas, on faisait de la formation continue. Ça, c'est un peu nouveau. En fait, la vraie nouveauté, c'est qu'on ne sait pas qui vient. Tout le monde peut venir. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'université, on a des gamins de 16 ans qui viennent prendre des cours, ils ne devraient pas réussir, certains réussissent. Voilà, on perd le contrôle, c'est un peu gênant pour les universités. On aime bien contrôler. Et là, avec ces MOOC, c'est un peu le Wild West, on perd un peu le contrôle. Voilà, les frontières entre formation initiale et continue s'effacent. Helsinki, c'est l'université qui a dit à ses étudiants, on ne donne pas le cours, prenez celui de Lausanne. Ah, intéressant, on pourrait peut-être parler. Voilà, on a moins de contrôle, nos étudiants ne sont plus prisonniers,
Il y a pas mal de profs qui vous disent, un étudiant se lève et me dit, monsieur, dans Wikipédia, ils disent que c'est moins alpha. Vous avez dit que c'est plus alpha chez vous. Donc voilà, avant, on avait un peu le contrôle. On a des choses bizarres qui se passent, des gens qui se proposent, ils ont fait le MOOC, ils ont eu la note maximale, ils disent, la prochaine fois que vous le faites, je veux bien être assistant. Gratuitement. Un concept qui n'est pas tellement helvétique quand même. Hein. Je vais être gratuitement assistant. Il se passe des choses qui, si on raisonne avec notre logique universitaire, ça ne marche pas. Nos assistants, on les paye 25 francs de l'heure. Voilà. Et, voilà. Il se passe des choses un peu amusantes. Ce n'est pas vraiment un changement fondamental de la pédagogie, mais du système académique qui, est un peu, qui bouge un petit peu, qui est un peu chatouillé. Dernier exemple, vous donnez un cours de géologie. Vous avez 10 000 étudiants. Vous leur dites, je voudrais bien que vous uploadiez 3 photos d'érosion que vous preniez autour de votre maison. Vous recevez 30 000 photos. Alors, ces 30 000 photos, il y en a la moitié, disons, qui sont pourries, qui sont des choses, des blagues, n'importe quoi. Ils en regardent 15 000. Okay, 15 000 photos, c'est inutile. Vous n'avez rien fait avec 15 000 photos. Mais vous faites le même système de crowdsourcing que j'ai expliqué. Vous envoyez au hasard 2 photos 10 000 fois à vos participants, vous dites laquelle est la meilleure, la plus intéressante, et puis ils vont, donc vous obtenez un classement de toutes vos photos, et vous prenez les 10% des meilleures photos. Tout d'un coup, vous obtenez en une semaine 1500 photos, donc de très bonne qualité de géologie. Ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué de penser à l'université, où on est tout plutôt là, le prof va diffuser son savoir, et là tout d'un coup, le prof profite de l'audience pour accumuler des connaissances, il fait des statistiques là-dessus, publie un article, et hop, il fait le lien entre sa recherche. Voilà. Voilà, j'arrête là. Ma conclusion, c'est que les MOOC, c'est pas génial. Les travaux de notre recherche sont clairs. Les bons MOOC sont meilleurs que les mauvais MOOC. Mais il se passe quelque chose d'intéressant. Et l'EPFL a pris le lead clairement en Europe dans ce domaine-là. Voilà, on va de l'avant. On en a une vingtaine, on a 20 qui arrivent. Et voilà. Il va dans ce forum, dans ce message online, et comme il y a plusieurs milliers d'étudiants qui sont comme lui, le temps de réponse est en général de 20 minutes, parce que toute la nuit, il y a quelqu'un dans le monde qui le... Voilà. Il y a beaucoup d'étudiants qui se répondent eux-mêmes, et puis il y a les assistants du prof qui filtrent, et puis finalement, il y a le prof qui filtre. Je ne sais pas si on peut prendre des questions, chef. Chef, on peut prendre des questions? Désolé. La question. Okay. Je reviens ici. Ok. Et donc, j'aimerais que pour la caractéristique que vous venez de noter, vous identifiez c'est qui l'acteur, qui est responsable pour le produit ou le résultat. Est-ce que c'est plutôt l'enseignant ou c'est l'étudiant qui est responsable? Donc, vous placez votre idée, votre caractéristique sur le continuum. Oui? Et ensuite, vous identifiez c'est quoi l'objectif. Est-ce que c'est de fournir des informations, d'augmenter les connaissances, ou est-ce que c'est de développer des compétences, des capacités, des skills? C'est plus l'information, plus compétences. Donc, à nouveau, vous placez votre idée sur le continuum. Et cette fois, vous répondez à votre boîtier. Où se trouve votre caractéristique? Dans quel quadrant? Donc, j'ai presque toutes les réponses. Je vous donne encore 5 secondes pour répondre. Et voici la distribution. Donc, on voit beaucoup, la majorité, que c'est l'enseignant qui est responsable, mais comme c'est des compétences,
envoie à peu près un tiers. C'est l'étudiant qui est responsable, mais c'est des informations. Ah non, c'est... Non, désolé, c'est l'étudiant compétence. C'est le vert, c'est l'étudiant information, et le gris, c'est l'enseignant information. Donc, je suis vraiment contente avec vos réponses par rapport à ce que ça donne comme l'impression de l'apprentissage, de l'image de l'apprentissage, mais ce n'est pas tout à fait typique comme portrait. Mais ça correspond bien avec ce que je vais vous dire. Je vais vous parler de deux modèles de l'apprentissage. Un modèle dit traditionnel, où c'est le rôle de l'enseignant de fournir des informations. On voit l'étudiant avec une vide et il faut fournir les informations nécessaires. Et le contraire, c'est qu'on prend l'étudiant comme un acteur et c'est à lui de construire son savoir, ses propres connexions. Le premier cas, on parle plutôt de l'objectivisme. On prend le savoir comme objet qui peut exister en dehors d'un être. Et dans le deuxième cas, on appelle ça constructivisme. Il faut que le savoir soit construit par chaque personne. Que chaque personne, il faut que cette personne soit acteur dans le processus de l'apprentissage. Et notre meilleure compréhension de ce qui marche pour apprendre, c'est ce deuxième cas. Mais si on pense à les situations d'enseignement qu'on a vécues, nous en tant qu'étudiants, typiquement c'est plus sur l'autre côté. Et on a tendance de reproduire le type de situation que nous avons vécue en tant qu'étudiants. Où on demande aux étudiants de retenir, de reproduire. Il y a donc des désavantages, c'est qu'on ne retient pas bien des informations qu'on ne les traite qu'au niveau de rétention. Ce n'est pas ce qui est meilleur pour retenir. Et en plus, ça ne développe pas des compétences transversales, des compétences qu'on serait capable d'appliquer dans d'autres situations, d'autres contextes. Donc, il faut être plus dans une approche construire-produire. L'approche où c'est plus l'étudiant qui est acteur et dans partie compétences. Donc, de partir sur une approche où on est plus centré sur information ou sur l'enseignement, d'aller plus vers des compétences, plus vers l'apprentissage. Là, j'arrive à mon deuxième point, l'objectif, ou l'intérêt, l'utilité des objectifs. Et un objectif de transformation très pertinent, c'est les objectifs d'apprentissage, où on définit ce qu'on veut que l'étudiant sera capable de faire à la fin de la formation. Pas les informations que je vais donner, mais plutôt la compétence que l'étudiant sera capable de montrer à la fin de la formation. Et quand on oriente notre formation, notre préparation vers les compétences de l'étudiant, ça nous pose des questions sur notre choix de contenu, notre choix de support, notre choix de modalité, qui est vraiment utile. Donc, un objectif d'apprentissage, c'est un énoncé qui décrit ce que l'étudiant devrait être capable de faire à la fin de la formation. Donc, c'est cette action de l'étudiant et il faut qu'on voit clairement ce que l'étudiant serait capable de faire. Donc, on emploie des verbes d'action où c'est l'étudiant qui montre ce qu'il va faire. Il va expliquer, comparer, produire, générer, calculer. J'ai trois exemples d'objectifs d'apprentissage. J'aimerais que vous choisissiez l'objectif qui vous paraît le meilleur exemple. Alors là, on arrive à peu près au complet et on voit que vous êtes très fan du troisième. Alors, je vais vous demander de trouver quelqu'un à côté de vous et d'expliquer pourquoi vous avez pris le choix que vous avez pris.
Alors, maintenant, je vais vous reposer la même question. Donc, après vos discussions, quelle est votre réponse? Oui, de revoter. Est-ce que vous avez changé d'idée? Vous avez gardé la même idée? Alors, cette fois, vous avez. Alors, le graphique a changé un tout petit peu. On est maintenant à 9% ou à 91%. Alors, ce type de stratégie où on pose une question, puis on demande aux gens d'échanger avec la personne à côté, on voit qu'il y a une implication qui est très importante. Vous avez tous commencé à parler avec la personne à côté rapidement. Ça marche mieux quand il y a une meilleure diversité d'opinions. On a un meilleur échange quand la personne à côté de nous a pris une autre décision, un autre choix, et on est vraiment obligé de convaincre cette personne d'expliquer notre raisonnement. Ce qui est aussi très important dans ça, c'est le feedback. Pour moi, en tant qu'enseignante, en tant que présentatrice, de est-ce que ce que j'ai expliqué était clair ou pas. Et ça, c'est seulement un feedback vraiment surprenant, que je sais que c'était très clair, c'est une idée assez simple. Je vous pose une question là-dessus et je vois qu'il n'y a que 50% des gens qui ont compris. Donc, c'est un feedback qu'on reçoit rarement lors des présentations. C'est aussi un feedback super important pour les apprenants. Je pense avoir compris. La présentation était claire, les deux paramètres sont clairs. Je continue bien assis, je note tout ce que l'enseignante dit, c'est clair. Mais est-ce que j'ai vraiment compris? Et c'est important d'avoir ce feedback, de pouvoir corriger ce qu'on a mal compris, les mécompréhensions, rapidement. Un peu avec l'idée de crowdsourcing, moi, je ne peux pas demander à vous tous quelle est votre idée et de voir cet échange, ce feedback avec vous. Mais cette technique où on parle à la personne à côté marche avec la taille d'équipe qu'on a actuellement. Dans une salle avec deux fois plus de monde, ça fonctionne pareil. Dans une salle avec 600 personnes, c'est toujours possible. Donc, cette partie interactivité, implication, de pouvoir échanger, avoir cette correction, ça ne dépend pas sur le nombre de personnes dans la salle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien intéressant. Oh, est-ce que ça vous intéresse, la réponse? Parce que ça, c'est... Donc, je vois qu'il n'y a personne qui a répondu à. Pourquoi? Vous ne le trouvez pas attirant, pourquoi? C'est pas assez précis. Vous êtes d'accord? Donc, je vois largement, oui, c'est pas assez précis. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans les objectifs, parce que si les étudiants ne voient pas quel est l'objectif, par où ils devraient aller, ils vont pas réussir. Je vois quand même qu'il y a un peu plus d'intérêt pour le B. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement peu nombreux d'avoir choisi? Vous n'avez pas choisi pourquoi? Ce n'est pas l'étudiant qui est au centre. C'est mes objectifs en tant que l'enseignante. Et c'est bien d'avoir des objectifs, mais ce n'est pas l'objectif des objectifs d'apprentissage. Donc, je suis d'accord avec vous que le meilleur exemple est que les étudiants seront capables. Donc, on voit l'action des étudiants, c'est d'extraire d'informations sous forme graphique. Donc, dans cette démarche d'information vers les compétences, c'est ce rôle du feedback, d'avoir ce retour pour l'enseignant, pour les étudiants. Si on pense à un processus de production d'une voiture, si on contrôle la voiture qu'à la fin de la production et on dit soit ça roule pas. Mais si ça roule pas, pourquoi? Je sais pas, c'était un processus de 15 jours, ça sort à la fin, ça roule pas. C'est pas suffisant. On a besoin d'un feedback sur chaque étape pour l'étudiant, pour l'enseignant. Donc, ces petits outils qui vous donnent cette opportunité est vraiment important. Et la dernière idée, c'est la cohérence. D'être cohérente dans vos choix. Il n'y a pas un outil qui est adapté à toute situation. Il n'y a pas une démarche, une approche que vous devrez adopter, mais plutôt de travailler la cohérence entre la situation, le contexte dans lequel vous enseignez, les supports, les contenus qui sont pour la formation, de définir des objectifs d'apprentissage qui sont cohérents, qui sont possibles dans le contexte, qui sont appropriés pour votre audience. Et avant d'arriver à l'évaluation,
il faut choisir des stratégies d'enseignement qui permettent aux étudiants déjà d'expérimenter, de développer ses compétences et d'avoir un feedback avant l'évaluation. Et bien sûr, l'apprentissage, ça se place au milieu. Ça devrait être l'objectif de l'ensemble de la formation. Donc, je vous redonne Raphaël. Alors là, vous avez pu expérimenter un petit peu les boîtiers de vote, qui est un des nouveaux outils qu'on a pu commencer à utiliser en 2013. C'est des outils auxquels on s'intéressait déjà depuis quelques temps, et puis on a été très content d'apprendre que les PFL en avaient fait acquisition. On s'est tout de suite inscrit pour pouvoir les utiliser. Et on est très content, en fait, de pouvoir utiliser ces outils-là. Je vous ai parlé des problèmes d'interaction qu'on peut avoir avec des étudiants. Vous avez 80 étudiants, il y en a 3-4 qui répondent. Voilà le type de questions qu'on leur pose. Alors, oui, ben voilà. Le type de questions qu'on leur pose concerne la citation. On leur demande aussi d'évaluer le nombre de réponses qu'ils devraient avoir avec une équation. On crée une équation documentaire avec eux. On crée une équation documentaire avec eux et puis on leur demande combien vous pensez que vous allez obtenir de résultats. Puis ils sont obligés de réfléchir. Ah, ils m'ont dit que dans un catalogue de bibliothèque, il y a tant de réponses, ça cherche que dans les métadonnées. Puis ils essaient d'évaluer. L'exercice est très difficile, mais par contre, on pense qu'il est très formateur. Par contre, on n'a aucun moyen de le vérifier. On voit juste les réponses qu'ils ont données et surtout la satisfaction de ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et puis, du coup, là, il s'implique. Comme vous l'avez vu ici, vous devez réfléchir. Et puis, avec le questionnaire sur la citation, où on leur pose une douzaine de questions qui ne sont pas des questions générales. On leur a expliqué les généralités, puis on prend des cas. Et on prend un cas, puis on dit, est-ce que ça, c'est autorisé ou pas ? Il devrait y en avoir après un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Les étudiants, on leur pose la question, ils répondent. Bon. On leur donne un feedback, on leur dit, ben voilà, là, la réponse, c'est ça. Puis ils se disent, c'est bizarre, avant, il a dit ça, et puis là, maintenant, il dit l'inverse. Deuxième question, ils se disent, bon, ben maintenant, je ne vais pas me faire avoir. Puis au bout de la troisième question, au plus tard, les étudiants, ils discutent entre eux avant même de répondre. Et en fait, là, ils commencent à discuter entre eux, et on voit que les réponses deviennent meilleures au fur et à mesure. Et surtout, ils commencent à poser des questions. Ils disent, oui, mais alors, monsieur, avant, vous aviez dit qu'on avait le droit de faire ça. Puis là, vous dites que non, il y a une exception. Mais alors, on fait comment pour savoir ? Et on reprend et on repose le cadre et tout à coup, ça devient plus clair. Et l'intérêt qu'ils avaient pour la citation des sources, qui est quand même quelque chose d'un peu chiant à la base, en fait, il augmente. Et puis, les étudiants, on passe souvent trois quarts d'heure, une heure à discuter de citations avec des étudiants bachelor, ce qui paraît plus ou moins inespéré. Et qui est en fait très utile parce que ça évite que peut-être certains d'entre eux plagient. Il y en a beaucoup qui viennent aussi après le cours pour une question particulière. Oui, mais alors là, j'ai ça. Puis comme ça, on peut leur répondre. Mais leur intérêt a été, leur curiosité a été piquée et ils arrivent à faire le raisonnement. Ce qui est très intéressant, quand on leur demande est-ce que vous avez le droit de faire du copier-coller ? Ils répondent oui, non. Et puis, après, on demande à quelqu'un pourquoi vous avez dit vrai, pourquoi vous avez dit faux. Et en fait, on voit que le raisonnement est toujours bon derrière. Simplement, l'application, ils ont plus de difficultés. Parce qu'en fait, citer dans un texte, par exemple, est quelque chose d'assez compliqué. Il y a plein d'embûches. Tout le monde sait qu'on ne peut pas faire copier-coller. Par contre, personne ne sait comment il faut faire en pratique. En tout cas, les étudiants ne l'ont pas appris. Et donc, on peut profiter là, qu'ils discutent entre eux, qu'ils posent des questions pour aller plus loin dans la compréhension. Ce qui est très intéressant avec ces clickers, c'est que les résultats sont enregistrés et qu'on peut les analyser par la suite. Ça fait plus d'une année maintenant qu'on fait ce questionnaire sur la citation et on voit qu'il y a des tendances qui sont irrémédiables. Les étudiants ne savent pas du tout comment utiliser des images. Par contre, ils savent plus ou moins comment utiliser du texte, disons en théorie en tout cas. Bon, inconvénient, utiliser PowerPoint, ça je passe rapidement dessus. On a pu faire un cours en ligne qui n'est pas un MOOC, mais qui a été fait dans les studios du CD, avec tout le matériel et toute l'aide professionnelle qu'on peut avoir là-bas. Les avantages, c'est que le cours qui a été donné à toutes les premières années de l'EPFL, à savoir 1700 inscrits au début du semestre,
C'était absolument impossible de donner ce cours en allant, même en étant 10 ou 12, et puis aller donner le cours en présentiel. Ça nous a donc donné, un, la possibilité de toucher tous les étudiants de première année, ce qui est appréciable, parce que ça veut dire que quand ils arriveront au moment du travail de bachelor, ils auront déjà entendu parler de ça. Il n'y a pas de contrainte de lieu et de temps. Les étudiants regardaient quand ils voulaient. On a relevé les statistiques de visionnement. C'est assez amusant parce que c'est quelque chose qu'on nous avait déjà dit. Les étudiants ont tendance à regarder les vidéos au moment du cours ou juste avant ou juste après, selon si ça tombe à l'heure des repas, c'est peut-être pas là qu'ils le regardent. Mais, et d'ailleurs, je crois que dans les MOOC, c'est un facteur de réussite. S'ils le regardent au moment où aurait lieu le cours, on voit que c'est souvent ceux-là qui réussissent le mieux. Hein, c'est... Voilà. Voilà. Et là, on a constaté effectivement que le cours qui avait lieu le mardi, ils regardaient le cours, les vidéos plutôt le mardi en début d'après-midi, assez régulièrement. Il y avait des pointes. Là aussi, pour ce qui est des exercices, on peut analyser ultérieurement ce qu'ils ont donné comme réponse, combien de temps ça leur a donné, etc. Et puis, alors par contre, avec les cours en ligne, Pierre vous a parlé de l'interaction sur les forums. Alors, c'est pas là qu'on a réussi le mieux. De nouveau, recherche documentaire ou citation, c'est peut-être pas les choses qui les ont le plus excités en première année. Mais l'interaction, il y en a eu un peu. Mais c'était surtout des questions d'étudiants qui n'avaient pas regardé les vidéos. Et puis, nous, ce qu'on a trouvé difficile, c'est qu'il n'y a pas de contact avec l'étudiant. Et on en arrive au flipped classroom où en fait vous mettez une vidéo, les étudiants la regardent, viennent en classe et en fait on commence à parler du contenu à ce moment-là. Ça paraît effectivement beaucoup plus intéressant. Pour ce qui est de la préparation, alors la rédaction des scripts, écrire un script linéaire quand vous avez l'habitude de parler à des étudiants et de répondre à leurs questions, mais que vous avez un fil rouge qui est plus ou moins adaptable, c'est très compliqué d'écrire quelque chose de très linéaire. On a vraiment beaucoup souffert, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut en témoigner ici. Et puis l'autre chose, c'est que faire une vidéo, ça demande des compétences techniques qu'en bibliothèque, on n'a en principe pas. Alors nous, on avait la chance d'avoir nos collègues, nos voisins qui ont pu nous aider. En l'occurrence, c'est Gwenaël Boquet, un des membres du CD qui nous a aidés. Ça a été très, très appréciable parce qu'on a pu discuter du projet avant. Il nous a dit, faites attention à ça, faites attention à ça. Alors ça, si vous voulez le faire comme ça, pensez à le faire comme ça. Ce qui veut dire qu'on avait de l'aide avant. On a pu, pendant les vidéos, faire attention à un certain nombre de détails qui facilitent le montage. Et puis, le montage, on a aussi eu de l'aide. Donc ça a bien été. Mais c'est des choses qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. On a eu la chance, nous, d'avoir juste à côté de nous des spécialistes. C'est pas forcément accessible à tout le monde. Moi, je m'arrête là. Si vous avez des questions, vous aurez encore le temps de les poser. Je vous ai mis quelques références pour les clickers et pour les MOOC, pour ceux qui veulent en savoir plus. Et puis, je sais pas si on a le temps pour quelques questions, parce qu'il y avait des questions. Alors, on peut passer aux questions. Je vais juste répéter la question pour la caméra. La question était, est-ce que les MOOC ont lieu à heure fixe ou pas ? À date fixe. À semaine fixe, c'est-à-dire, il commence le 15 novembre, par exemple, et tac, 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 chaque semaine. Et si on est out, on est out. Alors on m'a dit, mais enfin non. Internet, learn anytime, anywhere. Pourquoi introduire une telle rigidité ? Donc dans la semaine, c'est quand ils veulent, mais il faut garder le tempo. Et c'est peut-être une des raisons qui explique le succès, c'est que ça force une synchronicité entre tous les apprenants. Voilà. Chaque semaine, les messages que je lis dans le forum, c'est les messages pour le travail à rendre demain. C'est pas pour un truc que quelqu'un a fait il y a quelques années. C'est comme courir le marathon de Lausanne, tu peux le faire demain matin à 6h du matin. Il n'y aura pas tous ces mecs autour de toi qui t'empêchent de courir aussi vite que tu veux. Hein? Il y aura plein de gens qui... Voilà. Mais c'est quand même plus facile de le faire le même jour que ces 10 000 imbéciles parce que, voilà, on est pris dans une dynamique sociale. On est des animaux sociaux, on aime souffrir ensemble. C'est plus facile d'être pris dans cette dynamique. Et c'est quand même contraignant, alors...
Udacity, c'est une des plateformes, n'a pas fait ce choix-là. Maintenant, je vois chez Coursera, ils essaient de l'adoucir un petit peu. Souvent, en fait, les profs négocient un peu, ils donnent un peu du rab. Donc, mais il y a cette notion un peu de... On réintroduit une contrainte temporelle pour créer une dynamique sociale. D'autres questions ? Alors la question c'est, si vous n'avez pas les moyens de faire des vidéos en ligne ou des MOOC, est-ce qu'il y a la possibilité de s'adresser à l'EPFL ou pas ? Alors, ce soir, jusque 22h, on fait un prix spécial. Selon l'institution d'où vous venez. Donc, il y a, on fait effectivement des MOOC pour des entreprises, mais à un prix qui est... le prix que ça nous coûte, ou si c'est des entreprises externes, c'est même avec un bénéfice évidemment pour les PFL. Il y a des boîtes qui apparaissent, il y en a une sur le campus qui font aussi des MOOC. Et après, il y a des petites boîtes vidéo un peu partout que vous pouvez engager. Je pense qu'un MOOC, c'est quand même assez différent d'une vidéo. Donc ça se passe comme ça. Le prof arrive, on lui règle tout pour avoir une bonne lumière, un bon son, et puis on s'en va. Il reste tout seul. Et puis il parle. Il prend son cours, et s'il règle, il dit je reprends et puis il continue à parler. Donc on y a pas, c'est pas du Spielberg avec quelqu'un qui dit ça roule, coupé, etc. Pourquoi ? Parce que ce serait des coûts de production immenses. Donc là on veut une bonne qualité de lumière, bonne qualité de son. Et puis le gars parle et tout se fera au montage. Donc ça nous permet, je pense, d'avoir peut-être 95% de la qualité d'une vidéo professionnelle. Pour 10% des coûts, à peu près. Parce qu'un bon studio vidéo, aujourd'hui, ce n'est pas 5 millions comme un studio de la TSR, c'est 50 000 francs. On peut grâce à... Donc, il y a moyen... Vous êtes de quelle institution ? Il faut qu'on parle. Non, il y a... Je pense que chaque université aura bientôt son studio un peu MOOC. Et... il y a moyen d'aller assez loin sans investir des gros montants. Je pense qu'il y a certains MOOC, d'ailleurs, ont été faits. Un gars chez lui, il écrivait sur du papier, il a mis une caméra au-dessus. Et alors parfois, le son est vraiment pas terrible. Mais on peut faire du... Voilà. En fait, si on faisait du vraiment de la pure qualité professionnelle, Spielberg ou quoi, ça serait 100 fois plus cher. Mais on arrive à 95 ou 97% avec des choses assez raisonnables. Avec un Gripen, vous faites 2000 MOOC. Hein. Pour le son, c'est vrai que le technicien qui nous a aidés, nous, a insisté à chaque fois qu'on a été que le son était plus important que l'image. Si le son n'est pas bon, c'est irrécupérable. Si l'image n'est pas bonne, on peut truquer un peu. Et il l'a répété encore et encore. Et on voit que quand la qualité du son est bonne, c'est plus agréable à écouter, en fait. Moi, j'ai l'expérience aussi de faire de vidéo en même temps que Raphaël, mais moi, j'ai pris une approche plus... donc, j'ai eu également l'appui pour le son. Ça, c'était essentiel. Mais je voulais voir, faire le plus simple possible. Donc, moi, j'ai utilisé un webcam de haute définition. J'ai emprunté l'équipement du son, qui était essentiel. Mais après, avec un logiciel d'enregistrement de l'écran, je pense qu'il faut vraiment penser dans la conception. L'équipement est important, mais c'est dans la conception qui est vraiment essentiel de bien penser. Les questions que vous posez, l'interactivité, les travaux à proposer qui sont essentiels à construire. Si vous focalisez trop sur l'image, sur la vidéo, ça ne va pas aboutir dans un apprentissage correct. D'où la souffrance pendant l'écriture. Oui. Thank you.
C'est bien ce que j'étais en train de me dire. Donc, juste pour résumer, alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui réutilisent des figures qui proviennent des livres qu'ils ont édités dans leur MOOC? Et du coup, quels sont les droits et comment ils sont négociés? Et puis, la deuxième chose, je ne sais plus ce que c'était, donc... C'est vraiment deux problèmes qu'on a. Merci de les mettre en évidence. La propriété intellectuelle des schémas, quand on le fait dans son cours ici, à l'EPFL, on a le droit d'utiliser plus ou moins tout ce qu'on veut, de toute façon c'est fermé. Et donc il y a un certain nombre de profs, alors leur propre schéma de leur cours, de leur propre livre en général, si c'est EPFL Press, PPER, on peut discuter. Mais on a un certain nombre de profs qui disaient non, moi je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas refaire mes 1000 figures. Il y en a qui ont été publiées dans Nature. Il y en a, voilà. Alors ça, c'est un vrai problème. Coursera a négocié avec certains éditeurs, je ne sais plus lesquels, pour qu'ils acceptent, pour faire une espèce d'exception. Donc ça, c'est un vrai problème. Si le prof doit simplement leur dessiner, il peut, hein, et leur redessine simplement le même schéma, mais il doit le refaire lui-même, c'est nul. Mais c'est peut-être par là qu'on devra passer. La deuxième question, voilà, j'avais ce matin une grande université russe qui voulait acheter nos cours, nos MOOCs, enfin certains de nos MOOCs. Elle peut évidemment passer chez Coursera, qui va faire du licensing, et l'EPFL recevra une partie des bénéfices, pour autant évidemment que l'EPFL soit d'accord et que le prof soit d'accord. En principe, le prof peut aussi reprendre ces vidéos et les mettre, elles lui appartiennent. Il peut aller les mettre ailleurs. Cette université russe disait non, on ne veut pas passer par Coursera, on veut directement prendre vos vidéos sans payer Coursera. Et donc, c'est pas très clair. On aimerait bien, effectivement, que ces Russes puissent nous traduire ces vidéos en russe et les utiliser. C'est une très bonne idée. Il faut qu'on relise toutes les clauses du contrat. Pour être sûr que... Enfin, je suis assez sûr que c'est possible, mais dans quelles conditions financières? Tout le monde est d'accord pour, dans ces conditions-là, de payer un petit peu. C'est normal de payer un peu, mais pas de payer beaucoup. Donc, voilà. Mais c'est un des modèles économiques de ces deux grandes plateformes, c'est de pouvoir licencier les contenus que nous avons produits à d'autres universités. Je ne sais pas si ça répond. Donc en Afrique, par exemple, on a été, parce qu'il y a des immenses problèmes de bande passante, donc ça ne marche pas en fait. Il faut avoir stocké en local, dans nos universités partenaires, les vidéos. Voilà. On est en train de maintenant discuter des histoires avec des satellites pour pouvoir louer. Donc là, il n'y a pas eu de problème. Je pense que leur modèle, c'est plutôt de pouvoir, à des universités riches, pouvoir licencier certains cours qui ont une valeur professionnelle très claire. Et cette université est déjà en négociation avec l'autre grande plateforme edX. Je pense que tout ça va bouger. Tout ce qui est le business model de ces MOOC est en train de bouger chaque jour. Donc, nous, on va négocier la semaine prochaine avec Coursera, qui vient nous voir pour les modalités de ce prêt de nos vidéos à d'autres. Donc, mais la propriété intellectuelle du matériel produit par l'EPFL reste à l'EPFL. La propriété intellectuelle des données produites pendant le cours, c'est-à-dire les réponses aux questions, les messages des forums, est la propriété des plateformes. Ça a posé des graves conflits avec les étudiants. Je ne sais pas, mais je parle trop. Des graves conflits d'étudiants en termes de propriété intellectuelle, de savoir que leurs données se trouvaient aux États-Unis. Donc, on a. Leurs données s'y trouvent toujours, mais leur nom ne passe plus. Il n'y a plus de nom d'étudiant de l'EPFL qui va sortir de l'EPFL d'ici peu. Ce sera totalement anonymisé.